Et coucou! Donc voilà, là-bas j'ai donné mon premier cours de danse orientale et du féminin sacré en ligne, c'est-à-dire en ligne. Non, moi je donne plein de cours en ligne, mais ici c'est des cours comme si tu venais avec moi prendre un cours dans une salle de danse. Donc c'est interactif, tout le monde se voit et c'est franchement magnifique. C'est extraordinaire, l'énergie qui passe et la joie que ça donne. Moi évidemment, ça me donne une joie. Peut-être que vous avez vu la vidéo, j'ai partagé une partie de la vidéo de mon cours ici. C'est super joyeux, on fait ça ensemble, on avait plein de sourires. Dans le féminin sacré, on a travaillé aujourd'hui dans le flow. Et je fais ça avec mon intuition. Vraiment ce qui vient pour le moment, ce qui est bon pour les participantes et pour moi de enseigner. Et je suis toujours moi-même, franchement, touché par ce qui arrive. Donc je voulais partager ça ici avec vous. C'est que aussi les participantes m'ont dit, on dit qu'il y en a une qui m'a vraiment dit que ça l'aidait beaucoup parce qu'on est confiné chez nous, on peut commencer à ruminer, avoir plein de pensées qui sont angoissantes et ça n'aide pas évidemment les médias qui parlent à longueur de journée du virus et de je sais pas, effondrement et tout ce que tu veux. Et que ça fait un espace de joie où nous venons ensemble en tant que femmes, on expérimente quand même cette sororité. Ça, c'est ce qu'elles ont tous dit. Oh, c'était un peu, comment on appelle ça en français, bumpy, la technique. Toujours quand tu veux faire un truc, tu te dis, ah, oh, aucun problème, moi je suis habituée. Non, là aujourd'hui, c'était vraiment, ouais, c'était compliqué, on va dire, mais on y arrivait. Donc le premier cours, on a fait avec mon téléphone et tout le monde était sur son téléphone. Le deuxième cours, j'ai pu le donner avec l'ordinateur portable. Normalement, quand je vais en ligne, je le fais avec mon ordinateur qui est en bas dans mon bureau. Mais ici, c'est différent. Donc voilà, c'est un apprentissage. Et coucou, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde. Je suis sûre que la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde. Il y a Muriel qui m'envoie que c'était trop bon. Oui, en réalité, ce qui est magnifique, et je me demande pourquoi je ne donnais pas cours avant, franchement, parce qu'il y a plein d'élèves qui venaient avant, même il y en a une là qui a fait les cours de féminin sacré avec moi il y a 4 ans, et elle est revenue, elle est toute heureuse, mais moi aussi. J'ai des clients qui sont en Afrique, etc., et vont pouvoir venir. Et donc, oui, c'est tout à fait autre chose de venir à un cours comme ça en ligne. Le prix est un autre aussi, hein. Si tu viens à un cours de danse, tu payes dans les 10 euros, 12 euros selon la formule. Un cours en ligne, quand tu dois t'engager pour un mois, tu as des modules, bah, ça commence souvent à minimum 200, 300 euros. C'est toute une autre chose. Donc, voilà, je vous invite à participer en fait. Donc, le féminin sacré, ce qui est venu aujourd'hui, ce que je voulais donc partager avec vous, c'est un cours que nous travaillons en sororité nous travaillons sur les différentes énergies. Donc, aujourd'hui, c'était le flow, la semaine prochaine, c'est la connexion au sacré. Et nous avons travaillé sur le signe de l'infini qui est aussi en même temps avec des vagues. Donc, le signe de l'infini, c'est le 8 qui, en soi énergétique, donne cette fluidité et cette harmonie dans tout ton corps, dans tous les organes, dans tout ton être. Et quand je donne des soins énergétiques, je travaille toujours avec ça pour harmoniser tout ça. Et donc tu peux l'utiliser toi-même pour ton corps, pour sentir, pour rééquilibrer tout ça. Et évidemment aujourd'hui, ce qui venait, on travaillait énormément sur la respiration, sur la dévotion et aussi sur les deux poumons. Et ce qui est venu aussi comme exercice était magnifique, on a fait une méditation guidée, peut-être que je peux la faire ici avec vous dans une autre vidéo. On a vraiment travaillé dans cette méditation guidée. Tu travailles sur le dos qui est la symbolique de ton passé, tu travailles sur l'intérieur de ton corps qui est l'instant présent et ce que tu vis à l'instant présent, et le devant de ton corps qui est la symbolique de l'avenir. Et super intéressant avec cette méditation de voir comment tu te sens dans ton corps. Ce qui est venu donc dans cet exercice, c'était les ailes d'ange que tu peux t'imaginer d'avoir et de transformer. C'était magnifique, transformer ton passé en quelque chose de léger. Donc, j'ai malheureusement, je devais l'enregistrer, j'ai oublié de pousser sur ce bouton pour enregistrer.
Si tu fais partie de ce cours, si tu t'inscris, nous avons un groupe WhatsApp dans lequel je donne toujours le résumé de tous les exercices qu'on a faits. On a des devoirs ou devoirs entre guillemets, des choses qu'on va faire pendant toute la semaine pour se mémoriser sur quoi on a travaillé. Et donc ça c'est totalement magique parce qu'on a une petite sororité pendant toute la semaine où on s'échange. Et donc les cours que je vais donner ou les ateliers ou les cercles de femmes que je donne virtuellement comme ça, je les enregistre et ils vont être aussi accessibles au groupe WhatsApp. Et c'est vraiment un cercle de femmes, en même temps un coaching et en même temps de la danse. Et c'est une mixture absolument magique et magnifique où je vois plein de transformations et pour moi-même de savoir que je suis guidée quand je donne ce cours. Je ne sais jamais, jamais, jamais à l'avance ce que je vais enseigner. Ça vient. Et ce qui vient est toute beauté. Donc, ce qui était aujourd'hui est vraiment guérisseur de ce qu'on a travaillé là, et même pour moi-même, bien sûr, aussi. Donc, voilà, si tu as envie de découvrir ce cours du féminin sacré qui me tient particulièrement à cœur, tu peux t'inscrire. Tu vois sur mon site web www.chandora.life/danse. Où tu n'as même pas besoin de mettre le slash, tu vas sur ma page et tu vas voir en bas les trois manières que j'offre actuellement aux femmes de travailler avec moi et tu peux tester ça. Et avec grand plaisir de te faire découvrir ces sororités, les cercles de femmes, si tu ne connais pas ça et que tu as un peu de temps maintenant, un peu plus peut-être qu'avant, fais ça, fais ça. Je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui font ça. On ne peut plus. On peut plus se réunir dans des cercles où on est tous l'une avec les autres, mais avec la technique, on arrive à créer des liens, on arrive à vraiment s'unir et utilisons tout ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager parce que c'était la première fois aujourd'hui que je faisais ça et je suis totalement éblouie et touchée d'avoir cette grâce de pouvoir donner cette bénédiction, cette chance de pouvoir enseigner cela. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je t'invite à nous rejoindre. Et je pense, je vais faire ça plus souvent que juste une fois par semaine. Donc, tu sauras ça ici sur mon site web, sur ma page Facebook aussi. Et tu peux t'inscrire. Gros bisous. Si tu t'inscris, tu es sur ma mailing list et tu vas ne pas rater les choses que je vais certainement, qui vont évoluer dans les jours qui suivent. Gros bisous à vous toutes, prenez soin de vous et beaucoup, beaucoup d'amour pour vous-même et pour toutes les personnes que vous aimez. À bientôt.